ce qu'avant puisse s'appeler ce soir. Toi. Plus fort. On doit crier Jésus plus fort. Amen. Alléluia. Synthétiste. Alléluia. Écoute, ce soir, même le diable, on va provoquer Satan. Moi, j'ai provoqué Satan. Je vais le provoquer ce soir. Alléluia. Écoute, écoute, écoute. Oh, il est vaincu. Oh, ils ont raté. Satan, tu vas dire ton problème qui te menace. Tu vas dire ton problème. Tu dis célibat. Alléluia. Alléluia. Ne dis plus Satan. Satan est déjà vaincu. Dis-moi ton problème qui te menace. Ton problème qui te poursuit tous les jours. Amen. Tu cites le nom de ton problème ce soir. Nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Nous louons le Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est vaincu. Sans vaincu. Sans vaincu. Dans le nom de Jésus. Il faut venir le chômage, ça c'est bien. Dieu te bénisse. Venir le chômage si tu ne travailles pas. Ta galère, je refuse ma galère. Pauvreté, je refuse pauvreté. Amen. Ok. Oh, il est vaincu. Il est vaincu. Le chômage. Sans vaincu. La maladie. Et dans le nom. Hey, il s'en vaincu. Hey, il s'en vaincu. Oh, il s'en vaincu. Le oh, dans le nom. Chante, chante, allez.
apprendre. Amen, non? C'est un nouveau cantique, vous devez apprendre. Amen. Alléluia. C'est un cantique qui montre qu'il faut marcher sur le diable. Dans quel sens? Des problèmes qui te surchargent, qui te poursuivent. Ce soir, par ce cantique, chanter, c'est une manière juste d'exprimer. C'est juste une manière d'adorer le Seigneur ou de louer. Amen. Et ce soir, nous allons marcher sur. Amen. Et c'est par ce cantique nous allons chanter cela ici. Zadokuzolal, alléluia. Alléluia. Quand je veux dire Zambie, Zambie, c'est Jimoukwe, Zambie, Zambie, Zaba. Donc Dieu connaît, Dieu connaît toutes choses. Amen. Les filles ont dit que Dieu ne connaît rien. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la mort. Oh, Dieu n'avait rien compris. Voilà pourquoi il avait créé la mort. Donc, il fallait bien ça nous foi. Mais la mort est venue par le péché de l'homme. C'est pas. Alléluia. Alléluia. Ça va changer. Alléluia. Le soir, le lion, le lion, le lion.
Abutu Michabana Manyo yo yo yo. Chilabana Chimapira, Yesu le champion. Yesu, Yesu Manyo yo yo. Meline, 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 meline. Watu Mulut Abutu Michabana Manyo yo yo yo. Chilabana Chimapira, Yesu le champion. Une autre personne encore. N'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, ma soeur. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons écouter ce témoignage. Prête attention. Écoute ce que Dieu a fait dans la vie de notre soeur. Alléluia. Je veux témoigner au nom du Seigneur. Il est de ce moment. Je me sentais quelque chose qui était dans mon ventre. Qui m'a enfermé. Qui m'a enfermé le ventre. Je ne pouvais plus respirer. Hier le soir. Ça m'a étouffé de respirer. Ça m'a monté au cou. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis avancée. Là où on délivrait les gens. En même temps. Quand on m'a tenu. Je suis tombée à terre. On m'a ramassé. On m'a mené là-bas pour me délivrer. Quand on m'a délivré, quelque chose qui m'a attaché sous le cou s'est enlevé. En ce moment, je remercie le Dieu. Je vraiment remercie le Dieu. Mais vous tout la matin dans l'ensemble. Dieu est merveilleux. Je ne suis plus. Vous quand dans l'ensemble, bien comme quelle avance. Je remercie mon Dieu. Nous avons foutu l'ensemble matin dans l'ensemble. Amen. On acclame Jésus. Bien-aimé, si tu veux vivre un miracle, toi aussi, acclame ton Père Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Qui encore veut témoigner son nom? N'hésite pas. Qui pousse à mon nom? Viens. Glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Vous avez les mots dedans. Pendant qu'on priait, tu as vu la main de Dieu. Si tu es là, tu peux t'appeler. Tu étais ici. Tu passais mal les nuits. Entre déjà dans la prière. Demande à Dieu de te parler encore ce soir. Ou tu as un problème. Ou tu as des situations qui se passent dans ta famille. Que Jésus est capable de te parler. Lève ta voix. Et commence à demander à Dieu de te parler. Moko ponanga na koni ko banga insulo ba ponanga na komi na banga insulo ba ponanga. Christe soni paka. Acclame très fort Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Restez debout s'il vous plaît. L'envoi ben Norbert qui a coûté là. Je vais. Amen. Amen. J'aimerais vous saluer au nom de Jésus. Moussola coupé sa ben nombote na kumba Yesu Christ. Et j'aimerais ce soir que chacun puisse prier pour soi-même. Moussola pe konso mutu na kokila sambi la samu na yo. Je suis convaincu de ce que Dieu fera. Pe mwana lo kuikulu tinzambi ke sa. Même si tu n'as pas pu témoigner le Seigneur. Attends konga me sauver l'enda kuta kimba. Je crois que quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans ta vie. Mona kuikila tinzambi. Je vois le ministère des anges au Seigneur.
Cet endroit est couvert par les anges. Et il y a quelque chose de particulier que Dieu veut reprendre dans la vie de tout un chacun. Il y a des anges qui sont en ces lieux en mission pour bénir ta vie. C'est pour cela que j'aimerais te dire de ne pas être distrait et de connaître la parole et de suivre la parole et d'être sensible à la voix de l'Esprit. Et apprendre à écouter la parole. Ce cantique dit fait quelque chose dans ma vie. Je vais demander que le Seigneur fasse quelque chose. Une nouvelle chose dans ma vie. Que Dieu fasse une nouvelle chose. Je t'assure quelque chose de nouveau parce que les anges sont. Chante avec moi. Nouvelle chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Si toi tu es dans la foule, si tu ne te démarques pas, si tu ne te démarques pas, tu ne peux pas voir la gloire. Tu ne peux pas voir la gloire. Oh Shaika Baba 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 Baba. Je n'ai plus d'espoir, mais c'est dans ce soir quelque chose de nouveau. Seigneur, il n'y a pas de réussite. Seigneur, mes projets tardent à s'accomplir. Les hommes ont dit, je ne peux pas réussir. Les hommes ont dit, c'est fini. Mais nous te disons ce soir, quelque chose dans ma vie, quelque chose pour ma santé, quelque chose, Seigneur. Je déclare, Père, je déclare des nouvelles choses, une nouvelle saison, une saison de... Merci pour ta parole. Merci pour l'atmosphère de gloire. Nous voulons pas être restants sensibles si ce n'est pas pour t'acclamer. Te dire que tu es le roi. Te dire que nous le comparons à toi. Seigneur, avec nos acclamations, nous te faisons retentir. C'est vrai, notre Père. Notre Père, que pas en chaise de nous. Et vous remercier pour ton ensemble de gloire. Je suis ici depuis hier. Et je crois que le Seigneur manifestera encore sa grâce. Et je suis tellement convaincu. Vraiment, le Seigneur veut encore parler. Mais on ne veut pas représenter comme des sorciers ou soit des magiciens qui commencent à dire des choses. Non pas la base de la parole. Mais pour nous qui sommes des serviteurs de l'Éternel, nous sommes sur un thème que nous développons en ces lieux qui dit que Jésus est capable de tout. Il est capable de tout. Il n'y a rien que Jésus ne peut faire. Il est capable de tout. Il n'y a rien dans ta vie
il n'y a rien sur cette terre que Jésus ne peut pas accomplir, que Jésus ne peut pas faire. Donc, lorsqu'on parle de capable de tout, il est capable de tout. Si toi tu es incrédule, si toi tu ne crois pas, exprime toujours que Jésus est capable de tout. C'est-à-dire que dans les trois dimensions que nous allons utiliser pendant ces trois jours, tout ce que toi tu as besoin, tout ce que toi tu veux voir de la gloire de Dieu. Alléluia. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et dans la dimension du royaume du ciel. En passant, j'aimerais te dire une chose. Jésus n'a pas prêché sur les bénédictions. Jésus n'a pas prêché sur le, non, la prospérité. Qu'on ne vous trompe pas. Même lorsque l'apôtre Jean souhaite à Gaïus, quand plusieurs pasteurs, quand plusieurs personnes, quand plusieurs chrétiens développent ce texte, dans le livre de Jean, chapitre 2 Jean, je pense, chapitre 2, il est écrit que l'ancien lui-même, Jean, va souhaiter à Gaïus, il dit à Gaïus, je souhaite que tu prospères à tous égards. Plusieurs personnes s'arrêtent là. Je veux que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé. Que le livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Mais dites-le, c'est alors tu réussiras. C'est alors tu prospéreras. C'est alors tu auras du succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne peut pas mettre d'abord la parole de Dieu sur la table de nos cœurs, si on vient nous prêcher la prospérité, je vous assure, c'est la dingaza. Excusez-moi, c'est poussé par l'esprit, il fallait que je dise ça. Verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Et nous allons prendre Jean. Toujours Genèse, chapitre 3, à partir du verset 22, chapitre 2, verset 7. Amen. 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 Je vais lire le verset 24. À l'homme, le chassa du jardin de l'homme pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mis à l'orient du jardin d'Eden les gens garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Cet après-midi, dans les textes que nous avons lus, nous avons lu quelque chose qui est de particulier. Là, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a fini de créer le ciel et la terre. Il a créé les arbres. Il a mis des arbres. J'aimerais que tu sois attentif. L'homme vivait avec Dieu. L'homme pouvait causer avec Dieu. L'homme au départ discutait avec Dieu. Causait avec Dieu. Lorsque Dieu venait, l'homme pouvait dire bonjour à Dieu. Bonjour Dieu. Quelle image du royaume de ciel. C'était le royaume. Parce que Dieu lui-même avait descendu pour établir le royaume. Il a créé l'homme. Il lui a tout donné. Il lui a donné la domination. L'homme discutait avec Dieu. L'homme causait avec Dieu. Il pouvait s'asseoir et manger avec Dieu. Il voyait Dieu. Mais même s'il ne voyait pas Dieu, mais il entendait Dieu. Dieu. Vous allez mourir. Non. Non. Le diable va proposer une vie. Il ne va pas leur dire de la mort. Vas-y, vous allez devenir comme Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, ma soeur, toi qui m'écoutes, ce n'est pas la vie que tu fais. Mais en fait, la vie
la vie, c'est que tu as déjà créé sur ton propre tombe en te disant parce que tu es mort. Ça, c'est pas la vie. La mort est rentrée. La mort est rentrée. Tu ne peux pas voir la gloire. Pour cela, l'apôtre Paul pourrait dire, car tous sont péchés. Pardon, tout le monde a péché. Le péché nous sépare de Dieu. Ils ont perdu leur amour pour Dieu. Au départ, tu avais l'engouement pour servir Dieu. Au départ, tu avais vraiment la motivation pour être là pour prier. Mais maintenant, là, l'amour n'est plus. Il y a autre chose qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Ils ont abandonné leur premier amour pour Dieu. Alléluia. Dis à cela. Donc c'est pour cela que vous devez faire attention. Il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Il y a un vrai Jésus et un faux Jésus. C'est ce que... Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il présente Jésus qui est toujours bébé. Depuis qu'il présente là, il est toujours bébé. Depuis 2001, bébé kakabou bien, à quoi la gâte? Demain encore, bébé. Le 24 de la bébé. Demain encore, bébé. Le 2020, bébé. Là, bébé. Des grosses croix. Bébé, maintenant l'ouata va couler dans la croix. Eh, mais tu se mets qu'un à Jésus. Eh, Yesu. Il est toujours sur la croix. Yabango bazo, mais maïa n'a plus de croix. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Lorsqu'il porte encore Jésus sur la croix, par rapport à leurs actes, par rapport à leurs comportements, continue à lui faire du mal sur la croix. Il a toujours les bras sur la croix. Il continue à gammer les bras. Il a toujours là. Pèse ça. Jésus prieur. Oh, Yesu mulaki. Jésus pauvre. Tu connais que Jésus pauvre, ça c'est quoi? Il voulait venir acheter l'onction. Il demande ce que tu as. C'est aujourd'hui. La mort est rentrée dans l'église. La colère de Dieu. Il a dit qu'on achète l'onction. Il a dit entre la femme et le serpent. Pourquoi? Parce que la femme était l'image de l'église. Ça veut dire église. Jésus est sorti. Il a tapé coup de poing. Il a piétiné la tête. Alléluia. Il détruit les saints. Du diable. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus était sur la croix, comme l'homme ne pouvait plus aborder l'arbre de vie, il a placé les chérubins. Et lorsqu'on voit l'image du tabernacle que Dieu va donner à Moïse, l'image du tabernacle, j'ai à toi aimé le monde. J'ai donné mon fils unique. Afin que quiconque, pour lui et la vie éternelle, le projet de Dieu dans le jardin d'Éden, pour que l'homme puisse manger le fruit. Voilà, Jésus a pris les péchés. Il a pris tes avortements. Il a pris ton impudicité. On a percé les côtés. Il prenait l'une des côtes.
façonné celle qu'on appelle Ève, celle qu'on appelle Christ. Alléluia. Comment pleurer? Mais il n'y a pas eu l'obscurité sur la terre comme le ciel. Il y a eu des gens qui... Depuis qu'il est mort, rien n'a changé le ciel et la terre. Depuis que sa fille est sévère et mort. Qui m'avait choisi? C'est disant qu'il voulait marcher sur les eaux. Et maintenant, la seule amour de vie. Alléluia. De vie. C'est ce qui doit produire. Lorsqu'il est mort, la Bible déclare le ciel. Pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, ça a duré des heures. Alléluia. 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 Ça veut dire que tu vivras éternellement. Alors, l'accord de Jésus sur la croix, il a accompli l'œuvre de l'arbre de vie. Il a accompli qui a beaucoup de mépris. L'homme maintenant monte par Jésus. Jésus dit je suis la porte. L'homme par Jésus. Il peut venir manger l'âme de fou. Lorsqu'il mange, il vit éternellement. Lorsqu'il accepte Jésus dans sa vie, il reçoit la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Sans Jésus, tu es rien. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Sans Jésus, il n'y a rien. Je te dis une chose. Tu as besoin de Jésus. Si tu veux vivre éternellement, si tu veux que le royaume de Dieu soit restauré dans ta vie, tu ne fais personne. Toutes ces autorités. Il dit voici tout ça, ça m'a été donné. Qui lui avait donné ça? Il n'a pas dit que j'ai volé. Je vais tomber tout ce qu'il y a. Alléluia. Parce que l'homme qu'on appelle Jésus. Yes. Qui veut rencontrer le septième homme. Lorsque cette femme a rencontré le septième homme, la Bible déclare quelque chose s'est passé. Parce que lui, il est le fiancé de l'église. Parce que lui, il est la tête de l'église. Parce que c'est le septième homme, il faut le rencontrer. Lorsque tu le rencontres, ton histoire change. Tu sors de la mort à la vie. Lorsque tu rencontres le septième homme, ta situation change. Lorsque tu rencontres le septième homme, quelque chose te passe. Et là, on va changer la bombe. Alléluia. 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 On n'a pas besoin des histoires. Le peuple a soif. Cette femme a rencontré. C'est pas Jésus qui peut arrêter la mort dans une église. Elle est allée témoigner aux autres. Et puis j'ai rencontré un homme. J'avais déjà rencontré des hommes. Mais cet homme-là, il est le doudou d'amour. Cet homme-là, elle a rencontré l'homme. Le septième homme. L'image de l'homme parfait. L'église. Ça veut dire lorsque vous prenez 700 plus 300, ça veut dire 1000. Mais 1000 pour un jour, pour Dieu, ça veut dire un jour. Spécialement la vie, Mathieu, tu as besoin de ce soir que l'œuvre de la résurrection se passe. Le diable a piétiné sous les talons. Je reçois des gens. Moi j'ai déjà reçu Simban Kimbang. Moi j'ai reçu Moïse. Moi j'ai reçu pas mal des hommes. De Jésus ce soir. Manger l'arbre de vie et avoir la vie éternelle. On a la vie éternelle. En Jésus Christ de Nazareth. On va mourir aujourd'hui. Si tu as Jésus dans ta vie, lorsqu'il reviendra, il va te faire monter du ciel. Tu n'auras plus encore corrompu, mais encore incorruptible dans ta vie. Je veux rétablir le règne de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu as rencontré pas mal des hommes. Et ce soir, tu peux rencontrer celui qu'on appelle le septième homme. L'homme le plus parfait. Lorsqu'on le regarde, on le rencontre. Il change notre histoire. Il change la coupe de notre vie. Bartimée était aveugle lorsqu'il a rencontré Jésus, il a commencé à voir. Cette femme qui avait une perte de sang lorsqu'il a rencontré Jésus, elle a commencé à me voir. Christ a dit Lazare sort. Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Il peut te sortir de la mort à la vie. Lazare a quitté de la mort à la vie. Mais vraiment ce soir, Jésus a besoin de toi. Tu peux t'approcher, n'aie pas honte. Pendant que je pars, tu peux t'approcher. Tu peux encore donner ta vie à Jésus. Ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus. Peut-être tu es de passage. Tu penses qu'on dit si c'est des histoires.
Jésus veut te sauver. Ça fait si longtemps qu'il te parle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Le reste pas sensible, ma soeur. Tu as été touché. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Sans Jésus, tu peux être rien. Merci, Seigneur. Tu es mort. Jésus. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Qu'il veut te sauver. Te sauver. En la nuit. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé. Vous allez reprendre après moi, vous direz Seigneur Jésus. Répétez-moi Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis mort. Que je suis... Donne-moi ta vie. Communique-moi ta vie. Ta vie Zoé. La vie Zoé de Dieu. Coucou. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Que ta grâce l'existe. Et que celui qui est la grâce des grâces. Celui dont on appelle la main de Dieu. La main qui était cachée, qui était notre Père révélé. Celui qui est l'œuvre de vie. Amen. 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 Vous allez rester, on va prendre vos noms. Dans le sens, je vais d'abord donner le micro au modérateur. Protocole va nous apporter les paniers. Nous allons d'abord apporter les dîmes et les offrandes. Les offrandes. Commence à bénir le Seigneur. Et commence à dire Dieu, je veux que tu me parles. Tu me visites. Je veux ce soir, je dispose mon cœur. Je veux vivre ta présence. Je veux que ce soir, que tu me visites, que tu me guérisses. Il y a une atmosphère de guérison ce soir. Et l'atmosphère de guérison ce soir. La stérilité tombe. L'homme de la stérilité tombe. Arrête. Chante ton rababash. Le narcissiste savant. Chante ton rababash. Tu vas t'avancer. J'ai mal à ton pied droit. Pendant que je passe, ça commence à chauffer. Ton pied droit, je ne dis pas le pied gauche, mais je parle du pied droit. Parce que je sais, tu es là. Oh, rababababababawish. Hey, que le feu. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Mais ce soir, je voudrais prier. Merci. Tu vis une histoire, un phénomène de fausse touche. Je suis précis. Tu vis une histoire de fausse couche. Des grossesses en deux dates. À partir de 3 mois, ça coule. À partir de 4 mois, ça coule. Il n'y a que ces 2 ou 3 mois là que ça coule. Je vais te faire passer de la mort. Entre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Je sais que tu es là, tu fais des fausses couches, tu vas venir là où je suis. Je dis pour ces 2 dates. Ne me regarde pas.
pas. Il est descendu de toi. Pendant que je parle, le Seigneur va te visiter là où tu es. Pendant que je parle, Jésus. Le Seigneur de suite là. Les enfants, le Saint était stérile. Stérile espace d'attente. Fausse couche s'arrête. S'arrête. J'aimerais demander à ceux qui sont de l'autre côté de ne plus être distrait. Le Seigneur va te visiter. Tu peux t'approcher. Le nom de Jésus. Fausse couche. Au nom de Jésus. Libère. Libère ce corps. Libère. Libère. Tu visites cette femme. Visite cette table. Que ta grâce surabonde dans le nom de Jésus. Seigneur, tu la visites. Amen. Alléluia. Reçois. Alléluia. Le Seigneur t'appelle. Nom de Jésus de Nazareth. Je veux que la maladie retourne. Que le Seigneur te visite. Et donne ta grâce. Reçois, libère. 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 Du phénomène de Marie de Lui. Je t'ai pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié.
passer. Qui devant moi je vais passer. Qui devant moi je vais passer. Qui devant moi je vais passer. Devant l'avant moi je vais passer. Qui devant moi je vais passer. Qui devant moi je vais passer. Alléluia. Donc tout ce temps que disons que le Saint-Esprit s'est manifesté à travers son serviteur de Dieu, alors nous allons recueillir ses impressions et qu'est-ce qu'il a pensé et qu'est-ce qu'il pense encore dans l'avenir par rapport à ses œuvres. Cher journaliste Patrick Ngasaki. Et quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous venez de vivre ici au quartier Capable par rapport à cette événement? Mes impressions, c'est des impressions de joie. Très content parce que nous sommes venus accomplir l'ordre suprême. Il a dit allez partout, prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Donc l'église va être en mouvement parce que Christ revient bientôt. D'abord sur la trompette afin que les gens se convertissent. Donc les années prochaines, les années à venir, je crois que nous continuerons à prier afin que l'église aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, soit dans la vision du Seigneur. Pourquoi avoir choisi seulement le quartier Capable? Est-ce que vous avez un but à atteindre, une mission précise pour ce quartier? Il y a moins de 3 ans de cela, dans mes prières personnelles, avant même qu'il y ait de l'électricité dans ce quartier. Parce que c'est le 11e quartier de la ville d'Encaï. Voyez, et Dieu m'avait parlé. Il fallait vraiment évangéliser ce quartier. Et je me prépare à la prière pour attendre le moment opportun. Et si comme le temps, le Dieu qui est venu, est déjà venu, voilà pourquoi nous sommes venus ici pour évangéliser, afin que toutes ces âmes soient sauvées. Parce que je suis parti de lieu en lieu, de village en village, même de lieu caché, pour prendre les âmes, pour les amener à lui, afin que les âmes soient sauvées. Cela veut dire que les âmes que vous avez gagnées, vous allez les regrouper en un seul lieu, comme peut-être pour créer une église afin de paître ces âmes-là. Merci, Chi. Après avoir prêché l'évangile à ces âmes-là, vous devez faire de ces âmes-là les disciples du Seigneur. En tout cas, pour être disciple du Seigneur, il faut être enseigné, il faut suivre le maître. Ah, pour suivre le maître, il faut que ces disciples soient enseignés. Ils doivent recevoir les enseignements du maître. Automatiquement, il faudrait qu'ils aient un endroit quelconque, tel que ici-là, où nous allons mettre ces âmes gagnées, les enseigner afin qu'elles deviennent les disciples du Seigneur. Acceptez ces moments d'interview. Souls of men.